Donc, je suis né à Marcory, en Côte d'Ivoire, donc de ma maman Angéline, ma maman biologique. C'est vrai que bon, j'ai pas eu la chance de beaucoup grandir en Afrique. Donc c'est un côté de moi qui parfois me manque. J'arrive en Suisse. Donc l'histoire, c'est que je vais être adopté parce que mon papa, étant marié à l'époque avec ma maman adoptive, il me conçoit en fait hors mariage, on va dire. Donc moi, j'arrive en Suisse à l'âge de 17 mois pour être adopté par ma maman Danielle, qui accepte, même du fait d'avoir été, on va dire, trompé, de prendre l'enfant et de lui donner une chance en Europe. Pour ma mère biologique Angéline, c'était assez compliqué parce que c'est son enfant, t'as pas forcément envie de t'en détacher, de laisser partir, tu sais pas où il va. Déjà en Afrique, bon ça on me l'a raconté, hein, parce que je m'en rappelle pas, j'étais déjà très très attiré par le ballon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait des grands qui courais avec le ballon, je courais derrière, je rentrais sans aucune gêne sur le terrain pour essayer d'attraper le ballon. Et une fois, on va dans un supermarché avec ma maman, tu sais, en Afrique, on met les enfants souvent au dos, comme ça, dans le panne. Et puis elle fait les courses, donc elle a fini de payer. Puis la dame lui dit, mais le ballon que le petit a dans la main, il compte aussi. Elle n'avait pas vu que je l'avais pris dans les mains, donc elle l'a acheté. Et depuis là, le ballon était en fait mon meilleur ami. C'était comme si c'était déjà écrit à cette époque-là, mais moi, je n'étais pas conscient de tout ça. Donc, dans la suite de tout ça, j'arrive en Suisse et il y a quand même le choc, en fait, on va dire un petit peu quand même. Ben, j'arrive, on me dit que maman, je ne le comprends pas, ça. Donc, pour me calmer, mon papa dit à ma maman Danielle, va lui acheter un ballon. Donc, ce qu'elle fait, elle va acheter un ballon. Je suis en pleurs, elle revient avec le ballon, je ne pleure plus. Donc, le ballon était quelque chose de très, très symbolique pour moi, dont j'avais besoin en fait. J'ai grandi à Honay et à Tonnet. J'avais pas mal d'amis. Je jouais tout le temps au foot dans le quartier. Je détestais les injustices. J'avais des gens dans ma classe qui étaient par exemple avec des diminutions physiques. Je voulais tout le temps aider ces personnes à, on va dire, prendre du plaisir à la même manière que nous les autres, avec sans handicap, arriver à le faire. Donc c'était déjà des choses pour moi à cet âge-là qui étaient vachement importantes. Que tout le monde ait la même part de gâteau, en fait. Je commence le foot à Champel, où ma maman avait des horaires assez compliqués, donc j'ai pas pu faire long feu. J'ai dû arrêter parce que elle pouvait pas venir me prendre et j'étais pas encore assez mature pour me déplacer tout seul dans Genève. Donc j'arrête et je me rappellerai toujours. Paul Etoquet, un coach de Carouge à l'époque, vient à la maison, il était ami, je pense, de mon papa. Il commence à dire que c'est pas normal que Joe ne joue pas au foot et qu'il faut trouver une solution pour qu'il reprenne le foot et qu'on veut vraiment qu'il vienne à Carouge. Ça, c'est un tournant un petit peu où ben, je reprends le foot et je vais à Carouge, où tout commence en fin de compte. J'ai rencontré des gens sur mon chemin qui étaient quand même, on va dire, très autoritaires, mais qui croyaient en moi, comme un Dominique Vergniaud. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, Samuel Zingarella, John Luca aussi. C'est des gens qui m'ont vraiment poussé vers le haut. Et de la vie aussi, que j'oublie. Avant d'arriver en première équipe, je pars à Payerne quand même. Je pars à Payerne, le centre de l'ASF. Et là, c'est totalement différent. T'es dans un monde, ben, déjà la première année, on était 12. Tu peux vraiment peaufiner tes gammes techniques, ton sens tactique. Et je suis aussi arrivé dans une famille d'accueil qui m'ont accueilli comme leur fils. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à me dire que bah, j'avais une chance de réaliser quelque chose dans le foot. Et à mon retour de Payerne, eh ben, c'était le début avec la première équipe. À l'époque, je rêvais de jouer sur ce terrain de la Fontenette. Pour moi, c'était une première étape dans ma journée à franchir. C'est-à-dire que j'étais en tant que fan, en train de regarder les Philippe Hertig, les Fisco jouer contre Servette, le derby, et tu vibrais en tant que jeune. Et ma première pensée était, quand je voyais ça, je me dis que moi, d'abord, je dois jouer sur ce terrain-là. J'étais déjà en équipe de Suisse, moins de 17. Donc, on voyageait, on faisait des tournois, on faisait des championnats d'Europe. Donc, il y avait beaucoup de bruit. Il y a le coach qui me dit, Joe, il y a des dirigeants d'Arsenal qui sont dans la tribune. Tu vois, tu te dis, OK, impressionnant. Mais, et puis, ils viennent pour qui? Ah, ben, ils viennent pour toi. D'accord.
pas de pression avant le match, tu vois. Genre, pour un jeune d'aller apprendre ses gammes avec un des plus grands entraîneurs du monde est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai que ça fait rêver. Tout ça, c'était beau. Mais tant que rien n'est fait, ben, je ne me faisais pas trop de films. Ben, ça se fait. Donc, il me demande de venir en fait, visiter les installations. Je vais juste regarder un petit peu, connaître un petit peu les dirigeants. Je rencontre Wenger aussi. Après, je repars. Je continue mes choses à Genève. Je reviens. Et Robert Pires, à l'époque, était blessé. Il revenait de blessure. Je m'étais entraîné la semaine avec les jeunes et j'avais joué ce match avec Pires, Kolo Touré. Et à la fin de la semaine, je sens une présence derrière moi. Et c'est en fait le boss, Arsène Wenger, qui me suit et qui me dit « Mais alors, Johan, comment on fait pour te signer ?»« Je sais pas, coach. Non, parce que je pense vraiment que tu peux faire une grande carrière en Angleterre. » Alors là, tu te dis « Ok, tu veux pas montrer tes émotions tout de suite devant lui. Tu sais que ça explose à l'intérieur, mais tu veux pas le montrer. » Donc tu dis « Écoutez, ben, faut appeler mes parents et puis parler avec Carouge. » Puis je dis « Merci, coach. » Puis on se quitte comme ça. Et je me rappelle, en fait, reprendre l'avion. Et là, tu vois, j'en avais plein les yeux, quoi. Je me dis « Une partie de mon rêve peut se réaliser bientôt. » C'est-à-dire arriver dans un grand club, même si tu n'as encore rien prouvé. Hein, parce que à 15 ans, tu n'as rien prouvé. Il y avait des gens qui disaient « C'est une grosse erreur que Johan parte aujourd'hui. Il n'a rien fait, il n'a pas joué en Suisse. Pourquoi partir ? C'est trop tôt. » J'ai pris ça en compte. Mais pour moi, il n'y avait pas de meilleure école. Mon père est réticent parce qu'il se dit « Oui, mais il est jeune, s'il part et qu'il n'y arrive pas, comment il va revenir ? Ce serait un échec. » Et ma mère, par contre, elle, très sereine, « Non, non, c'est une chance inouïe. Faut qu'il parte. » Voilà, j'arrive à Londres. J'ai commencé à avoir mon caractère. J'ai commencé à vraiment penser que je pouvais aller beaucoup plus haut. Tous ces joueurs avec qui, par exemple, tu joues à la PlayStation ou que tu regardes sur téléfoot ou que tu vois les matchs, ou que tu vois dans les matchs le week-end, sont à côté de toi. Je suis un grand fan de Patrick Vieira. J'avais mon poster dans sa chambre et Thierry Henry aussi. Et je voyais les gars passer à côté du terrain parce qu'ils avaient fini l'entraînement et regarder un peu le match. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le boss avait toujours pas l'habitude de faire jouer les jeunes joueurs en qui il voyait le potentiel en Carling Cup. Il y a un des attendants qui vient dans le vestiaire des jeunes, donc il traverse et qui me dit « Joe, t'es dans la liste, donc tu pars avec nous tout à l'heure. » Là, ça commence, quoi. Tu mets le training. On avait le même training, mais c'est pas la même chose quand tu rentres dans le bus des jeunes et quand tu rentres dans le bus de la première équipe et qu'il y a Arsène Wenger devant. Tu rentres dans le bus, tu te dis ouais, peut-être que là je suis assis à la place de Patrick Vieira, tu vois. Tu vas être privé pour la première fois, tu te dis mais c'est quoi comme vie, quoi, genre. C'est pas tu vas dans le terminal, hein. Tu descends, le bus t'attend quand tu mets un pied sur le tarmac, quand tu dis waouh, ok. Tu prends ton bus et il t'amène à l'hôtel. T'arrives dans un hôtel 5 étoiles. Tu sais pas si tu vas jouer, mais tu sais que tu es dans la première équipe. Donc, c'est chaud, quoi. Tu te dis, ça commence. Et là, on arrive au stade. Et je crois qu'il y a 1-0 pour nous. À un moment donné, on me demande de rentrer milieu extérieur à droite. Donc, je m'échauffe. Joe ! Et là, waouh. Manchester City, énorme stade. Stade plein. Je prends une fois le ballon, je fais une passe. Qui amène une autre passe, qui a une autre passe et qui amène à un goal. On gagne le match 2-0. J'ai fait mes 5 minutes de jeu avec la première équipe pour la première fois. Le job est fait. Mais à ce moment-là, je me dis que ces 5 minutes doivent être le début de grandes choses et que je pourrais m'arrêter là. Un petit gars de Genève qui est arrivé de Côte d'Ivoire, adopté avec du soutien de sa famille, avec des gens qui n'ont pas forcément cru en lui parce qu'il partait trop jeune, à 17 ans, fait ses débuts. Et tout ça m'a fait un flashback. Et je me suis dit non, là, on ne peut plus lâcher, on y va.